quantité de matière disparue de Ni de plus. Eh bien, à l'instant T, au départ, on avait le nombre de moles de Ni de plus égal C fois V. À l'instant T, on n'a plus que CV moins X. Et il est apparu X moles de Ni métal, sous forme métal. Donc, la quantité de matière N de ion nickel disparu est tout simplement égale à X. Elle est égale à quoi? Elle est égale à la quantité de matière de métal nickel qui est apparue. Cette quantité de matière nickel qui est apparue est égale à quoi? Est égale à la masse de nickel qui est apparue divisée par la masse molaire nickel. On va faire une petite application numérique. Cette masse de nickel est égale à 100 mg, autrement dit 0,1 g, divisé par 58,7 g par mol pour la masse molaire de nickel, ce qui nous donne 1,70 fois 10 moins 3 mol d'ion nickel disparu.